J'ai réacheminé l'énergie vers les systèmes de sécurité de lancement. Nous pouvons commencer l'opération du jour. Accédez au centre et récupérez les codes de lancement. On a un pépin. La ruche a scellé l'entrée du bunker qu'on avait utilisé la dernière fois. Dirigez-vous vers le toit du centre de lancement. On devrait pouvoir entrer par là. Au bunker. Faites exploser la grille et faufilez-vous à l'intérieur. Les souvenirs sont exacts, Eris a dit que la ruche utilisait des cristaux pour maintenir leurs barrières. Détruisez-les. Des cristaux, des rituels. C'est complètement absurde. De toute évidence, c'est un effet Casimir artificiel avec... J'ai coupé le micro de papy. Ne me remerciez pas.
est-il coupé? Sécurisez cette salle de contrôle, gardienne. De sécurité est opérationnelle, je ne détecte aucun changement dans l'architecture du système sous-jacent. J'ai obtenu les codes d'autorisation de lancement, mais ils sont cryptés. Cette méthode de cryptage est superbe. Je vais avoir besoin de temps pour les décrypter entièrement. Le lancement va devoir attendre. Compris. En attendant, je vais établir un lien avec les vieux bunkers désaffectés pour brouiller les pistes. Je viens d'apprendre qu'un catch était en approche. On ferait mieux de déguerpir avant qu'il n'atterrisse. Les premiers fragments s'intègrent bien au code de Grand Rouge. Notre plan est risqué, mais... Eh bien, Clovis ne mentait pas. Quand je me suis réveillée la première fois, je n'étais pas perdue. Je n'avais que deux choses, mon spectre et mon nom sur un badge. Je pensais que les Bray utilisaient la raison pour le bien. Des lumières solitaires explorant de lointaines frontières. J'étais fière de cette histoire, je m'en suis inspirée pour façonner mon identité. Bien sûr, ce n'était qu'un fruit de mon imagination. Je veux dire, vous avez rencontré Clovis, c'est l'incarnation même du mal nécessaire.
Je préférais quand le risque n'était qu'une grotte obscure dans la nature. Un danger ou une technologie de l'âge d'or. Tout était beaucoup plus clair. Maintenant, les choses sont moins définies. Et je mesure le risque en centimètres entre mon dos et le poignard de Clovis. Je sais qu'il arrive. Mais si ça me permet de retrouver Rouge, j'accepte de courir le risque. Rasputin n'a pas seulement changé les codes de lancement, il a aussi crypté les nouveaux. Impressionnant. On n'est jamais trop prudent pour protéger un secret. Certaines informations sont trop dangereuses pour rester en libre accès. J'ai caché beaucoup de choses à ma famille, dans leur intérêt. Je comprends que Rasputin ait voulu faire de même. Mais ça ne change pas notre objectif. Nous devons prendre le contrôle des Warsat pour le bien de l'humanité. Je vais décrypter les codes de lancement vers la station orbitale, continuer à réunir les données d'esprit inférieur et à les réintégrer. Le moment venu, Rasputin devra nous écouter, quels que soient les secrets qu'il détient. Gardienne, vous serez ravie d'apprendre qu'Elisabeth a fini par se laisser convaincre par notre plan. Je n'en ai jamais douté. Elle vous aidera à infiltrer la station orbitale, une mission rendue possible par mon décryptage des codes pour les capsules de lancement. Malheureusement, malgré la réintégration des esprits inférieurs Mala, Yati et Charlemagne, Rasputin est toujours incapable de s'auto-restaurer. Le code est trop incomplet et son algorithme interne ne peut pas combler les lacunes à lui seul. Il nous faut plus de données. Infiltrez les coffres-forts et récupérez-en. Plus vous obtiendrez de données, plus vite les protocoles de Rasputin pourront faciliter sa reconstruction. Faites vite. Nos ennemis ne perdent pas de temps. Un dialogue, de lui montrer les conséquences logiques de ses choix, mais elle se braque. Et plus j'insiste, plus elle me repousse, même quand elle a conscience d'avoir tort. Les rapports entre frères et sœurs, Désolée, je n'aurais pas dû vous raconter tout ça. Depuis combien de temps nous connaissons-nous, Elsie? C'est difficile à dire. Avec tous les problèmes que nous avons surmontés, ça semble remonter à une éternité. Mais je crois que ça fait des années. Des années. Et pendant tout ce temps, vous avez toujours été une sœur dévouée. Anna vous connaît depuis bien moins longtemps. Vous vous rappelez votre enfance. Les liens que vous avez créés. La confiance que vous avez développée ensemble. Pas elle. Anna ne peut pas comprendre la profondeur de votre amour. Ni le sentiment de culpabilité lié à vos erreurs. Elle ne sait que ce qu'elle voit en face d'elle. Et cette situation vous tue à petit feu. Vous la regardez, et un spectre vous rend votre regard. Un spectre que vous voulez désespérément sauver. C'est le but? Non. Nous devons laisser les gens faire leur propre choix. Où nous risquons de les pousser dans une voie encore plus sombre que celle dont nous voulions les éloigner. Et nous savons toutes les deux comment ça se termine, n'est-ce pas? Gardienne, on frappe, puis on se serre. Faites mal à la ruche, ramenez un bout d'esprit inférieur. Et revenez en un seul morceau.
Réglage de la tour de défense sur Ankal. De rien. Xivu Arras agit au grand jour. Mais je crains qu'il nous manque une pièce pour comprendre le plan de nos ennemis. Pour l'instant. Mais on aura bientôt un esprit tutélaire en état de marche. Si quelqu'un est capable de battre Xivu Arras, c'est bien Rasputin. Thank you.
Votre victoire ici est éphémère. Les Coronséens de Xilou arrivent sur vous par le plan ascendant. Je vous conseille une extraction rapide. Qu'est-ce que c'est que ce plan ascendant? Un endroit qui nous fait de l'ombre. Je n'ai ni le temps ni la patience de vous l'expliquer. Et je n'ai pas le temps de vous écouter. Après ces siècles d'absence, vous êtes toujours aussi imbu de vous-même. Comme si le monde ne pouvait pas avancer sans vous. Je doute que votre ego vous donne la capacité d'écouter. J'ai étudié les données de vos précédentes infiltrations dans le centre de lancement, ainsi que les schémas de la station de Séraphin. Voilà où nous en sommes. Anna peut insérer un code malveillant à distance dans les capsules de lancement. Cela vous permettra d'amarrer votre vaisseau à la station de Séraphin sans activer ses systèmes de défense. Nous n'aurons qu'une seule occasion avant que la Maison du Salut ne réalise notre plan. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Une fois à bord de la station, je vous guiderai jusqu'au noyau d'intégration de l'esprit tutélaire. Puis nous chargerons un virus dans son système. Le virus ouvrira une faille dans le réseau de la station de Séraphin. Nous pourrons ainsi transférer à distance le contrôle de la station à Rasputin dès qu'il sera prêt. Nous ignorons les changements que la ruche et la Maison du Salut ont apportés à la station. Nous devrons donc être réactifs et agir vite. Mais c'est votre spécialité.